Let's go. You should always stay focused. Ballers and ballerettes, what's up? Coach Max avec vous. On est sur le channel du Scorpion Academy. What's up? Il fait beau, il fait chaud dehors. En ce samedi après-midi, on aime ça. Moi, je suis allé shooter un peu ce matin. J'ai joué avec mes boys hier. Puis, we love that, man. We love that. Ouais, ça me fait sourire juste d'y penser. So, aujourd'hui, non, c'est pas épisode 4, guys. Je vous ai apporté aujourd'hui quelque chose d'un petit peu plus différent, un peu spécial. J'ai des curieux qui se demandent comme, ben là, Max, tu parles de tout ça et tout, but je sais qu'il y en a qui m'ont déjà vu jouer, but ils ont essayé de me lancer une petite flèche comme pour dire, hey, mais ça serait cool si on te verrait jouer ces vidéos. Right. Ok, so, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas épisode 4 que je vous donne. Je vous donne simplement un moi avec mes boys en train de jouer au basket. Parce que là, tout le monde est comme, ah, mais là, tu fais ces vidéos-là, mais ça a l'air de quoi quand tu joues? C'est comme, come on, guys. Je pense que vous le savez, là. Pas pour refaire la grosse tête ou quoi que ce soit, mais je suis comme, quoi, vous allez dire que je fais les vidéos, mais je sais pas jouer au basket. Pas de style. Fait que moi, j'ai trouvé ça drôle, puis j'ai accepté. J'ai dit, garde, tu sais quoi, ouais, je vais le faire. So, ce que vous allez voir, c'est mes boys avec moi. On joue. C'est un 3 contre 3. Rien de waouh. Mais c'est juste pour que vous voyez comment je joue de 1, comment mes boys jouent, même si je l'avais mis dans dans la vidéo de l'épisode 3. Mais j'ai mis quasiment dans toutes les vidéos. Vous m'avez vu comme des petits glimpses ici et là. Fait que là, je le mets. J'ai fait le montage pour vous. Puis c'est juste pour vous donner une petite idée de comment je joue. Mais là, ça va être un petit peu plus long. Fait que là, vous allez avoir une plus grosse perspective de comment ça se passe quand on joue, moi, avec les boys. C'est du 3 contre 3. Je vais vous amener du 5 contre 5 aussi, éventuellement. Fait que comme ça, ça va peut-être vous donner une petite idée de comment se comporter. Puis c'est sûr qu'il y a aussi une préparation qui vient avec. C'est super important, ça vient avec. Ce qui est la préparation. Je suis avec les boys, on parle un peu, après on se prépare, puis tout de suite, là, comme dès qu'on commence, vous voyez que le focus est là, on joue, on est prêt, puis on est là pour affronter le défi, affronter le challenge. C'est ça le but du sport en tant que tel, c'est que les autres gars viennent, puis ils viennent pour nous challenger. Faut accepter le challenge, donc on est mentalement prêt, hein? Quand je dis la force mentale collective, c'est comme, guys, on se met tous sur la même page, puis on y va tout de suite. Fait que ça va vous donner une idée par rapport à ça. Fait que je vais rouler la tape. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Et non, attendez. Avant tout, on va faire les choses en règle. Je veux prendre le temps de dire merci à quelques personnes avant. C'est super important. Parce que je suis pas tout seul là-dedans. De un, parce que les gens qui sont là, ben, ils acceptent de se faire filmer parce qu'ils auraient pu dire non aussi. Puis la vidéo aurait pu jamais se faire. Puis ceux qui filment aussi. Puis tout le reste des gens qui est là, je veux prendre le temps de leur dire merci. Hein. Fait que merci à mes boys aussi. Dans la vidéo, si je ne me trompe pas, c'est Uncle Drew, Chaz, and the great bad man Steve-O, qui est là aussi. Merci au frérot Brahim, qui est là aussi, qui joue. Et puis J.O., maman J.O. J.O., je donne du props parce que J.O., non seulement c'est un baller, mais c'est un podcaster. Il y a un podcast, Dope on the Table. Hein? Google it, YouTube it, iTunes it. Do it, just do it, go find it. Le podcast est nice. Fait qu'on a un podcaster et un baller. Moi, j'adore ça, man, quand les gars font du multitasking. Le grind est real, man. Faut respecter ça. Fait que moi, je donne un shout-out. Go check it out. Dope on the Table, my man J.O. Good looking out, still balling as well. Et puis, on garde le meilleur pour le... Non, et avant tout, je garde le meilleur pour la fin. Mais, merci à Coach Idan. Ma main Dan. C'est lui, l'innovateur du logo. J'y ai pas dit merci dans les autres vidéos. Fait que j'étais comme, il faut que je donne un shout-out. Je lui donne du shout-out. Brothers for life, Coach for life, MVP for life. Ma main Idan. Je lui ai dessiné le logo sur un papier. Hein? faut le dire, j'ai dessiné ça sur un papier, puis j'ai donné, puis ça donne le logo que vous voyez comme au début de chaque épisode, ça donne ça. Wow, ok, wow, j'ai juste ça à dire, le gars il a trouvé le moyen de m'arranger ça, puis de faire quelque chose significatif, parce que je suis un scorpion, born in 78, so, pour ceux qui ne l'avaient pas encore catché, là, so, faites le calcul, I'm young, right, ok, so, yeah, et le meilleur pour la fin, merci à Gigi the Queen, the best and the queen. Merci beaucoup, Gigi qui est venue un vendredi après-midi pour filmer le 3 contre 3. Elle avait amené tout son matériel pour filmer. Elle a fait une wonderful job. Thank you very much. Ok, merci beaucoup. J'espère que on va en avoir d'autres encore. Fait que là, j'ai oublié personne. Non. And if I do, je vous remets sur une autre vidéo. Je vous le promets. Fait que, guys, je roule la tape, je vous laisse enjoy le 3 contre 3. Entre-temps, on met son like, notification, on s'abonne à la page, il va en avoir d'autres encore, faut que ça roule. Malgré tout, on n'arrête pas le progrès, guys. So, let's get it on, ça roule. So guys, j'espère que vous avez aimé ça, hein, puis que ça a été quelque chose d'intéressant pour vous. Là maintenant, vous allez avoir une meilleure idée de comment mes boys et moi on joue. Puis c'est du 3 contre 3, donc on adore. Moi personnellement, j'adore le 3 contre 3. C'est sûr que le 5 contre 5 c'est toujours meilleur parce que il n'y a pas vraiment de ligue de 3 contre 3, mais j'adore le 3 contre 3, j'adore ça beaucoup. Puis il y a eu le tournoi Rupeda back in the days, on avait joué, on avait gagné aussi. Puis moi je trouve que c'est un bon concept de basketball parce que tu dois toujours être à l'affût parce que t'as un joueur à surveiller, t'as beaucoup d'espace, fait que ça te force beaucoup à jouer en défense aussi, puis à être vraiment actif. Sauf que le 5 contre 5, ben, c'est du 5 contre 5. Puis on sait c'est quoi, donc la préparation est toujours en fonction de ça. Je vais essayer de vous amener du 5 contre 5 aussi, guys. Puis je vais le partager avec vous. Entre-temps, hein, notification, like, on s'inscrit à la page, guys. Je vais vous amener d'autres vidéos où est-ce qu'on joue avec d'autres bons gars encore sur le terrain. L'épisode 4 est là, est déjà prête, anyway, c'est déjà prête, c'est juste que je trouvais que c'était intéressant de le mettre, on m'en avait parlé, c'était comme un semi-défi qu'on m'avait lancé de le faire, je l'ai fait, je l'ai mis, fait qu'il va en avoir d'autres aussi, comme ça, ça va juste diversifier les choses en même temps, puis il y en a qui voulaient me voir jouer, fait c'était un 2 pour 1. So guys, j'espère que vous avez bien aimé ça. Profitez de la chaleur, il fait beau, on est au mois d'août, l'école va recommencer, il va recommencer à faire froid. Faut profiter pour être dehors, puis en profiter au max. Beaucoup de basket, guys. Puis, on se revoit pour la prochaine vidéo. Alright, so, keep ballin'.